Le combat que nous avons est un combat spirituel, comme nous avons vu. Nous avons vu ça au premier message et nous allons continuer cela. Nous avons vu que nous sommes en guerre. Nous avons vu que notre ennemi, c'est Satan, notre adversaire, le lion rugissant, et un tiers des anges qui ont été déchus avec lui. C'est le combat que nous avons. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a deux erreurs principales qui sont faites. Premièrement, c'est de nier l'existence du diable. Et un deuxième point où on peut faire des erreurs, c'est de trop accentuer justement sur l'œuvre de l'ennemi. Le royaume de Dieu est un royaume qui est équilibré. Et Dieu utilise des gens qui sont équilibrés. Nier l'existence du diable, dire non, on n'en va pas en parler, on ne va pas lui donner la gloire, c'est faux. Dans la Bible, il est dit, Jésus parle du diable, Jésus parle souvent du diable, mais il parle de l'ennemi, il parle du combat que nous avons, et nous devons être conscients de cela. Mais nous ne devons pas mettre l'emphase sur l'ennemi. Rappelez-vous que nous devons être fixés sur Jésus-Christ et pas fixés sur l'ennemi. Et quand l'ennemi est en chemin, bam, il faut qu'il parte avec l'autorité que Dieu nous a donnée, nous le chassons. Nous devons être équilibrés dans le combat spirituel. Nous allons voir que les lois de l'ennemi sont haine, égoïsme et compétition. Nous allons voir qui est Satan. Jean 10, verset 10 nous décrit. Il dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Donc nous voyons que le diable, il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Il veut nous détruire parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons pris une position d'autorité. Là où lui était avant, il avait une position d'autorité. Maintenant, c'est nous qui avons l'autorité. Il est jaloux de nous. Il a vu que Dieu allait créer l'homme. La jalousie est montée dans son cœur. Et il veut nous détruire. La parole de Dieu nous dit aussi, nous donne différents noms de Satan. Les noms montrent sa nature. C'est pour ça qu'il est important que nous connaissions les noms, afin que nous connaissions la nature, que nous connaissions la fonction de la manière de laquelle Satan agit. Et le premier, vous pouvez lire ça dans Matthieu 13, verset 19, il est dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ici, nous voyons Satan est appelé le malin. Ça veut dire qu'il est rusé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de voler la parole de Dieu dans nos cœurs, de mettre la parole de Dieu en doute. Et le bon combat que nous avons est le combat de la foi. C'est pour ça qu'il est important pour nous de connaître la parole de Dieu, de connaître la vérité qui nous libérera. Jardin, le diable est venu, Satan, il est venu sous la forme d'un serpent et il a séduit Ève. Ce que la Bible dit, c'est que Ève a été séduite. La séduction consiste à faire croire à quelqu'un un mensonge et de faire croire à cette personne que le mensonge est la vérité. Et nous allons voir dans d'autres messages plus loin qu'un chrétien peut être séduit parce que c'est le but du séducteur, Satan. Lève-moi dans Apocalypse 12, verset 10. Il est dit, puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait, maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne, pardon. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accusait devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Une des tactiques de l'ennemi, c'est de nous tenter. C'est de nous donner quelque chose pour que nous soyons tentés, pour que nous fassions quelque chose de négatif. Et quand nous faisons quelque chose de négatif, il dit, tu vois maintenant, et il commence à nous accuser pour nous éloigner de Dieu. C'est pour ça qu'il est appelé l'accusateur des frères. Il n'y a aucune accusation, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il peut nous accuser, mais Dieu ne nous condamne pas. Nous avons un avocat auprès de Dieu, Jésus-Christ. Et nous, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous laver, pour nous purifier de nos péchés. Il est important pour nous de croire plus la parole de Dieu, 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Afin de ne pas continuer à croire les accusations de l'ennemi qui vont nous bloquer, qui vont nous paralyser et qui vont nous empêcher de faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Donc nous voyons qu'il est appelé l'accusateur des frères. Un autre nom, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants.
Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Ici, il est dit qu'on ne doit pas se laisser distraire. Et c'est le diable qui est appelé notre adversaire. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant et il cherche à nous distraire. Et il est appelé comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'il veut se faire passer pour le lion de Juda. Le seul lion qui existe, le lion de Juda, c'est Jésus-Christ. Mais le diable, il fait beaucoup de bruit. Et ça, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie au travers de l'intimidation, comme Goliath a essayé d'intimider le peuple de Dieu. Mais un homme s'est levé, c'était David, et il savait qu'il était en Jésus-Christ. Il savait, il comprenait sa position. David comprenait qu'il avait une alliance avec Dieu, comme nous, nous avons une alliance. Et parce qu'il comprenait les principes de l'alliance, parce qu'il comprenait l'alliance, parce qu'il comprenait que Dieu est avec lui, qui peut être contre lui? C'est pour ça qu'il a dit, mais que me veut cet incirconcis? Et là, nous voyons clairement qu'il y avait un combat spirituel qui était là. David vivait déjà dans un temps messianique. Il avait une compréhension, nous voyons cela dans le psaume 22, quand il dit, quand il décrit la description de la crucifixion de Jésus, il connaissait son identité. Nous aussi, nous devons connaître notre identité pour vivre dans la victoire. Satan est l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant. Nous avons vu que l'adversaire, c'est Satan, ce ne sont pas les personnes. Apocalypse 20, verset 2 nous dit, « Il saisit le dragon, le serpent d'autrefois, qui est le diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et s'éleva au-dessus de lui, pour qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. » Ici, nous voyons le dragon, le serpent, et cela signifie aussi pour nous que si nous avons des représentations à la maison, des représentations de serpents, des représentations de dragons, cela représente l'ennemi. Je vous recommande de jeter cela. Je vais vous donner un exemple dans ma propre vie. J'avais des figures de bronze à la maison et à chaque fois que je passais devant à ma conversion, il y avait comme un malaise dans mon esprit. J'ai pris ces bronzes, j'ai soulevé un bronze et sous le bronze, il y avait un dragon. J'ai pris ces bronzes qui avaient une forte valeur, je les ai cassés, je les ai jetés, je les ai détruits. Et la Bible dit dans Actes 19, verset 19, de détruire ces choses. Ces choses qui représentent Satan, qui représentent l'ennemi dans notre maison. Il ne doit rien y avoir de cela. Je parle de cela sur un DVD aussi qui est passé à la télé aussi. Et ces portes d'entrée des démons, comment se débarrasser de toutes ces choses qui peuvent être des supports pour l'ennemi dans nos vies. Débarrassons-nous de cela. Après, nous voyons dans Matthieu 4, verset 3. Matthieu chapitre 4, verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Et là, nous voyons que le tentateur est appelé aussi Satan. Satan est appelé aussi le tentateur. Un tentateur, qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction est de tenter. Donc, si nous sommes tentés, la Bible dit aussi que ce sont nos convoitises, mais Satan aussi essaie de nous tenter et pour justement nous faire péché. Après, dans Jean 14, verset 30, nous voyons un autre nom de Satan. Nous étudions actuellement les noms de Satan pour connaître sa nature, pour connaître ses fonctions, pour que nous puissions le connaître afin de pouvoir le vaincre. Jean 14, verset 30 nous dit « Désormais, je n'aurai plus guère d'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. » Jésus dit qu'il n'a aucune prise sur lui. L'autre traduction dit, je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous car il vient, le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir. C'est la traduction de Jérusalem. Une autre traduction dit, je ne vais plus parler beaucoup avec vous parce que le chef mauvais de ce monde vient et il ne peut rien me faire. Traduction, parole de vie. Le prince de ce monde. Donc nous voyons aussi que Satan est le prince de ce monde. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a des guerres, qu'il y a des problèmes. Et il est important de pouvoir comprendre cela. Quand nous évangélisons, de bien pouvoir expliquer aux gens que ce n'est pas Dieu qui envoie les maladies, que ce n'est pas Dieu qui veut la guerre, mais que c'est bien Satan et les personnes qui sont influencées, qui sont sous l'emprise de Satan, qui permettent cela. Un autre nom. Voyons ça dans Matthieu 12, verset 24. Les pharisiens ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Belzébul, le chef des démons. Belzébul, c'est le prince des mouches.
Donc nous n'avons pas à avoir peur. Prince des mouches, ben c'est des mouches. Les démons, c'est comme des mouches. On ne va pas avoir peur des démons. Il faut que l'on comprenne notre identité en Christ. Le diable a peur de nous. Ce n'est pas l'inverse. Nous devons passer de poursuivant, de poursuivi, à poursuivant. Quand nous connaissons notre identité en Christ, nous savons qui nous sommes. Nous savons que le diable a peur de nous. Et ce n'est pas à nous d'avoir peur du diable. Je me rappelle l'histoire d'un serviteur de Dieu. Je crois que c'était Luther. Il était couché comme ça et Satan est venu dans la nuit. Et Luther s'est réveillé, il s'est retourné, il a dit « Ah, ce n'est que toi », il s'est à nouveau retourné et il a continué à dormir. Et ça, c'est la bonne attitude que les chrétiens doivent avoir. Rappelez-vous que Satan est le père du mensonge, pas le père du mensonge, donc il veut nous mentir sur qui il est, il veut nous faire croire qu'il a autorité sur nous, mais comme disait Jésus, Jésus n'a donné aucune prise sur nous et sur nous aussi, il n'a que l'autorité que nous lui donnons. Donc ils disent aussi le chef des démons, Belzébul, ce qui signifie qu'il est le prince des démons, et cela signifie aussi qu'il y a une hiérarchie dans le monde spirituel, dans le monde démoniaque, dans le monde des ténèbres. 2 Corinthiens 11, verset 3. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Donc nous voyons à nouveau une autre fonction, comme je l'ai déjà dit, c'est celui qui corrompt les pensées, qui séduit, qui essaie de nous faire croire des mensonges. Il corrompt et il séduit comment? Par le mensonge, il essaie de nous faire croire que ces mensonges, c'est la vérité. Et nous voyons que ce combat se situe au niveau des pensées. 2 Corinthiens 11, verset 4. Dit, si quelqu'un vient nous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté. Donc nous voyons l'ennemi essaie de nous envoyer un autre esprit, un autre Jésus et un autre évangile que celui qui vous a été annoncé. L'évangile qui nous a été annoncé est un évangile de grâce. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et nous voyons dans différentes doctrines, dans différents mouvements, soi-disant chrétiens, que des fois un autre évangile est annoncé, qu'il y a un autre esprit qui est annoncé et que c'est un autre Jésus qui est annoncé. Un autre évangile rejette l'œuvre complète et parfaite de la croix. Il faut faire des œuvres ou il faut suivre des rythmes pour pouvoir être sauvé. Ou il faut suivre certains sacrements afin d'être sauvé. Cela signifie que ce que Christ a fait à la croix n'est pas suffisant. Mais ce que Christ a fait à la croix est suffisant. Tout a été accompli. Nous avons vu qu'il y a des séducteurs, un autre nom nous le trouvons dans 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste, mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Et si nous voyons que Satan se déguise en ange de lumière, et malheureusement il y a beaucoup de religiosité dans nos églises, et ici, les questions justement de serviteurs de Dieu qui corrompent ce qui est juste, ou le serviteur de la justice, et qui disent que pour être juste, il faut faire des œuvres. Mais la justice s'obtient par la foi et non pas par les œuvres. Et c'est un domaine qui est très controversé, c'est un domaine où il y aura beaucoup de combats. Et justement, quand nous prêchons la justice de Dieu, c'est là qu'il y a un combat, et c'est ce qui va amener la séparation entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Apocalypse 12, verset 9 nous dit aussi « Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Ici, il est aussi appelé le séducteur ou celui, une autre traduction dit « celui qui égare ». Il y a d'autres DVD qui sont là sur la séduction, sur la religiosité. Nous avons aussi une école biblique que nous tenons à votre disposition, que vous pouvez commander, et nous allons bien en profondeur sur chacun de ces thèmes. Ici, ce sont juste des aperçus que nous vous donnons pour vous aider à comprendre que nous sommes dans un combat, qui est l'ennemi, mais vous pouvez aller en profondeur. Si vous voulez, vous pouvez participer à cette école biblique par correspondance. À la fin du message, vous allez voir défiler une bande-annonce, et là, vous pouvez commander directement par email. Nous vous enverrons toutes les informations. Un autre verset se trouve dans Jean 8, 44, qui décrit les agissements et la nature du diable.
Il est dit, votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Ici, il est décrit le père du mensonge. Il est décrit qu'il ment, il n'y a pas de vérité en lui. Il la combattra toujours la vérité parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et la vérité est une personne, cette personne c'est Jésus-Christ. Il est décrit aussi le père du mensonge. Maintenant, nous allons voir quelques exemples de ses œuvres. Nous voyons dans Thessaloniciens 2, verset 18, « C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous, moi, Paul, je l'ai tenté à une et même deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. Il veut empêcher l'évangile d'être propagé. Satan a peur que l'évangile soit protégé, parce que là, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et quand nous annonçons l'évangile, les personnes passent du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. » Nous venons de voir qu'il veut empêcher l'évangile d'être propagé par ses moyens. Et ses moyens sont la persécution, la peur de l'homme, la prison, la maladie, les accidents. Il essaie de tout faire et je peux vous citer des cas où nous avons eu beaucoup d'opposition dans notre ministère. Souvent quand nous avions des messages importants qui touchaient les nations. Je peux rencontrer aussi le président d'un pays où nous avons pu partager l'évangile avec ce président qui a confié le pays justement à... qui a confié son pays à Jésus-Christ. Et là aussi, nous avions un combat terrible. Nous avions un combat avant de partir. Nous avons une opposition. Il y avait des accidents sur l'autoroute. Nous avons dû changer. Nous avons dû aller à une autre gare. C'était un chemin de plus de 2 heures. Il y avait beaucoup d'opposition. Mais cela nous montre aussi, quand il y a d'opposition, il nous faut persévérer. C'est pas l'opposition qui nous arrête, bien au contraire. Quand il y a d'opposition, nous savons qu'il y a un but qui doit être atteint. Et cela, nous ne devons pas nous laisser arrêter, justement, nous devons combattre le bon combat de la foi. Aussi, je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à persévérer. Quand il y a de l'opposition, cela montre que vous êtes efficace dans le royaume de Dieu. Alors n'ayez pas peur, continuez et percez, et vous verrez. Si vous percez, vous verrez. Amen. Quand Jésus a dit aussi, nous voyons un exemple, quand Jésus a dit à ses disciples de monter dans la barque pour aller de l'autre côté, une tempête s'est soulevée. Et dès qu'il arrive de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Il y a un démoniaque qui était là. Et là, Jésus a eu une grande victoire, il y a une grande libération qui s'est faite, et beaucoup de gens ont été touchés. Et la création entière soupire après la révélation des dieux, parce que la création entière aussi est sous la domination de Satan, qui utilise cette dernière, justement pour nous empêcher, et dans ce cas, c'était à travers la tempête. Dans Acte 10, verset 38. « Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. » Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Mes amis, la maladie est une œuvre de Satan. Ne dites pas que c'est Dieu qui envoie une maladie. Quelle image avez-vous de Dieu si vous enseignez cela dans vos églises? Vous devez vraiment vous repentir. Si vous êtes des prédicateurs et que vous prêchez que c'est Dieu qui envoie des maladies, je vous donne un conseil, repentez-vous. Parce que vous blessez le cœur de Dieu et vous empêchez les gens de vivre dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour eux. Dieu est bon, il ne désire pas que ses enfants soient malades. Jésus était là, il a dit qu'il détruisait les œuvres du diable en guérissant ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec Jésus. Il guérissait ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. Dans Luc 13, verset 16, nous voyons « Et cette femme qui fait partie des descendants d'Abraham et que Satan tenait en son pouvoir depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat ?» Nous voyons que Satan tient aussi les gens liés par l'infirmité et par la maladie. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. À Pierre 5, verset 8 nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Ici, nous voyons qu'il rôde et il cherche quelqu'un à dévorer. C'est qui? C'est les chrétiens. L'apôtre Pierre, ici, parle aux chrétiens. Il ne parle pas aux inconvertis. Les inconvertis sont sous la puissance de l'ennemi. La Bible déclare cela clairement. Et c'est notre but en tant que chrétiens d'être des témoins. Mes frères et mes sœurs,
témoignons, n'ayons pas peur, n'ayons pas la crainte de l'homme, ne nous laissons pas influencer par les stratagèmes de l'ennemi. Nous avons vu qu'il intimide, qu'il essaie de nous faire peur, qu'il séduit, qu'il essaie de nous égarer. Mais nous, nous croyons et nous savons que nous avons l'autorité pour pouvoir libérer les captifs. Nous devons arracher les âmes à l'enfer afin qu'elles puissent entrer dans le royaume de Dieu. C'est le but primaire de chaque chrétien. Son dernier commandement doit devenir notre première priorité. Voyons dans 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. « Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. » Satan voile l'intelligence des inconvertis. Il met un voile pour qu'ils ne puissent pas voir la gloire de l'évangile. Et c'est à nous, par nos prières, par la prédication de la parole, d'arracher. Si nous ne le faisons pas, Dieu ne le fera pas. Le but du combat spirituel est d'arracher ce voile. Le but du combat spirituel est d'annoncer la parole pour que les inconvertis puissent connaître la vérité, car c'est cette dernière qui les rendra libres. Et aussi d'annoncer l'évangile, même aux chrétiens. Il faut bien souvent évangéliser les chrétiens pour qu'ils reconnaissent à nouveau que c'est par grâce qu'ils sont sauvés et c'est pas par les œuvres. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pèche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément venu pour détruire les œuvres du diable. Et si nous voyons aussi que Satan essaie de pousser les gens à pécher, c'est sa nature. Et quand les gens pêchent, ils sont sous sa domination, ils sont sous son emprise. Luc 8, verset 12 nous dit « Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. » Vous voyez, le diable aussi vole la parole de Dieu. Donc c'est à nous, quand nous annonçons l'évangile, de prier, de continuer à prier pour ces personnes, pour empêcher Satan. Nous avons l'autorité pour lui interdire de voler la parole dans les cœurs. Jean 8, verset 44. « Vous vous êtes de votre père, le diable, et vous voulez faire les désirs de votre père. Lui, il était homicide dès le commencement. Il ne se tenait pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est à la fois le menteur et son père. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Satan pousse les gens à rejeter la vérité. Genèse 3, verset 1 nous dit « Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin ?» Vous voyez, il essaie de nous faire douter de la parole de Dieu en questionnant cette dernière. Et si nous commençons à penser à ses pensées, si nous suivons les raisonnements du diable, il essaie de nous faire penser, de nous faire réfléchir, il essaie de captiver nos pensées, il essaie de prendre possession de nos pensées. C'est pour ça que nous devons proclamer la parole de Dieu et combattre le bon combat. Et ce combat avec la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit. Et nous aussi, nous devons, pour pouvoir combattre, savoir ce qui est écrit, afin de pouvoir dire, il est écrit. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. Mes frères et mes sœurs, revenons à la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu. Dans Actes 13, verset 10, il est dit, « Et dit, toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ?» Nous voyons aussi que Satan utilise la ruse et la fraude justement pour tromper. Il est le trompeur, pour séduire, pour nous égarer. Éphésiens 4, verset 26 nous dit « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. » Une autre traduction dit « Ne donnez pas accès au diable. » Il essaye de nous faire pécher aussi pour avoir un accès dans notre vie. Le péché ouvre la porte à Satan dans nos vies. Il ne veut pas que les chrétiens aussi comprennent l'œuvre de la croix et qu'ainsi ils puissent marcher sur la vérité. Parce que la croix nous donne la victoire. 1 Pierre 2, verset 24 nous dit « Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. » Oui, c'est par ses blessures que nous avons été guéris. La croix nous donne la victoire sur le péché. La croix nous donne la victoire sur la maladie, parce que Christ a tout porté. Galates 5, verset 24 nous dit « Or ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. La croix nous donne la victoire sur la chair. » Et victoire aussi sur le monde. Nous voyons que
L'ennemi essaye de nous séduire. Il essaye de nous égarer. Notre arme, c'est la parole de Dieu, la confession de la parole de Dieu, afin que nous puissions vivre dans l'autorité et dans l'abondance que Jésus a prévue pour notre vie. Amen.